On va parler sur le cas de Siguiri, la Haute-Guinée, où 12 gendarmes ont été touchés par balle, ont été blessés par balle réelle par soi-disant les donzos. Parce que là-bas, c'est la Haute-Guinée, il n'y a pas de problème. C'est les Malinkés qui sont là-bas. Je ne suis pas contre la communauté Malinké. Je vous ai toujours dit, j'ai une famille Malinké. Je parle sans aucune langue de bois. Je ne fais pas plaisir à quelqu'un. Donc, je parle quand je pense. Donc, je parle quand je vois la vérité. Maintenant, qui n'ose pas dire la vérité n'est pas en tout cas quelqu'un de près. On sait très bien, ces 12 gendarmes qui ont été blessés par balles réelles que par les donceaux à Siguiri. Vous savez très bien, si c'était au Fouta Diallo, si c'était sur l'axe, ils allaient dire que c'est les terroristes qui se sont attaqués au symbole de la République. Je devais faire cette vidéo il y a longtemps, mais dans ces 2 jours, je suis hyper, hyper chargé. Donc, aujourd'hui, je vous ai informé que dans l'après-midi, j'allais être en direct, mais j'ai eu quelques empêchements. Donc, do info iden andi programme mo jabba mo susal hal gol go ngare onti ko fenande halata onti gare ko fenande woni halde en yi sigirin 12 gendarmes be noina 13 gendarmes no fella don ba don ko hotgine problème ala me ala yewtude do fi blessure gol goddo madum innugol lan anyi lenyol maninka owe la mari famille maninka kono gonga kan sa susal halde ko yirda non hare dayne won horema dayna jama on kono wata daynu de jama on ba hare jama on no rentuma si ko demagogie yagal kadi hare jama on no fami si fem fena on hala ndema goddum are angida nunade hare mo sikka way angadi ko adugula partager vidéo au maximum de partage partager vidéo on fiala partager vidéo donc engi combien de personnes Barmina, gendarme, 12 gendarmes no Barmina, Ender, Sigiri, Haute-Guinée. Kohombo y communique gouvernement Alpha Condé. Fendo do ebe wadde be arrange gol undo hakonde mabbe. Général Balde déplace gol Conakry, ha Sigiri ndon. Wobbe no enna waari ko way way hakankan wo ko kankan yo yo yide mabbe. Sori ebe en gendarme be andugol ko honno woniri état mabbe on. Iden andi manifestation fouta ben directement population ko terroriste be woni ton parce que tout simplement ko fulbe ben woni ton parce que ma sou sengal gol gonga mi me ala hal de fi goddo yo yidu madum goddo yo anyu madum goddo yo welto madum ta ontigi welto o e ko dum mi gonga kan sen yi jaben halir gol non dum don fe yi tranquillement bruit fu so dali communiquer hay goto be wadali communiquer al gouvernement wadal communiquer al fa konde wadal communiquer brema konde wadal fous communiquer ministre de la justice wadal fous min non fous parce que don woko don so ko karma ko je be mabbe warobe yimbe fétichère be mabbe warobe yimbe fi tun harata wa kambe be mayu ka pouvoir ba ko be don fe li sori be mbabe don so be no mari courage no wodi ko be tippi no wodi tigi tigi on ko be tippi harata wa be fellay 12 gendarmes be fella ben don problème fu sodaki emba be no tippi no wodi ko be tippi ko tidi be arabe fella gendarme be ben problème fu sodaki alfa kon wa dal communiquer gouvernement wa dal communiquer be fanki yani on yata RTG no yewta fi dum don vous ne verrez jamais la RTG parler sur ça sur ces événements qui se sont déroulés à Siguiri, où 12 gendarmes ont été blessés par balles réelles. Aucun communiqué du gouvernement d'Alpha Condé. Parce que là-bas, c'est la Haute-Guinée, là-bas, c'est les Malinkés qui sont là-bas, qui là-bas, c'est son bastion. Qu'est-ce que son bastion là-bas? Vous vous imaginez très bien si c'était sur l'axe. Regardez, aujourd'hui, ils ont libéré Honorable Ousmane Gawal Diallo, Shérif Ba. Maire Abdoulaye Ba, maire, monsieur honorable Sellou Baldé,
ils les ont libérés. Les grandes personnalités du pays, comme ces quatre personnes, ils disent qu'ils sont des fabricants d'armes, de guerre, armes blanches, je ne sais quoi. Ces gens-là ont passé 9 mois en prison, tandis que le gouvernement a vu les donceaux ont tiré sur 12 gendarmes. Là-bas, ils ne vont rien dire. Parce que c'est la Haute-Guinée, que c'est le bastion d'Alpha Condé. C'est la région d'Alpha Condé. Que là-bas, c'est les Malinké qui sont là-bas. Je vous ai dit, je n'ai aucune haine contre la communauté Malinké. Jamais de la vie. J'ai une famille Malinké, mais il faut qu'on accepte de dire la vérité telle qu'elle est. Nous le savons, si c'était en Basse-Guinée, chez nous les Soussous, ils allaient dire, les Soussous veulent renverser le pouvoir Malinké. Mais le plus grave, si c'était au Fouta, vous allez voir, même les mosquées, ils vont s'attaquer, les mosquées. Alpha Condé allait déployer un arsenal militaire pour aller s'attaquer au domicile de Khalif du Fouta, au domicile de l'imam de l'abbé. On a vu sur l'axe, même les cimetières ont été gagés. Les gens ont été gagés dans les cimetières où ils partaient enterrer les gens. Où ils partaient enterrer les gens. Maintenant, aujourd'hui, c'est la Haute-Guinée, les donceaux de la Haute-Guinée, de Siguirin qui tirent sur 12 gendarmes. La RTG ne parle rien. Ce malhonnête, Sidi, je ne sais quoi, le faux procureur de Dixine, ne dit rien. Le procureur de Kankan ne dit rien. J'ai dit, même le ministère de la Justice ne parle même pas à la Kobehala. Il m'a cessé de parler. Parce que tout simplement, Atoliri et Rabaz Neneki. Atoliri et Rogne Neneki, Maninke Nanameni. Parce qu'ils savent, ils ne peuvent pas dire aux Malinkés que les Malinkés sont les terroristes. C'est très facile pour traiter les peuples de terroristes. Alpha Condé, c'est très facile pour lui de traiter les peuples de terroristes. Ce qu'on fait, c'est traiter les terroristes. Ils se sont attaqués au symbole de la République. Parce que la gendarmerie est une institution. Un citoyen ou les citoyens qui s'attaquent aux militaires, aux policiers, aux gendarmes s'attaquent à la République. Salut mon grand, Bataka Diallo, mon grand tout. Ils vont dire que ces citoyens s'attaquent au symbole de la République. Si c'était à l'abbé, si c'était à Mamoun, Dalaba, Pita, Lelouma, si c'était dans ces pays, dans ces préfectures de la région du Fouta, si c'était sur l'axe, récemment, au lieu de partir à Siguirin, d'arrêter les gens qui ont tiré sur 12 gendarmes. Hier, ils étaient à Wanindara pour aller arrêter les innocents. Hanking harbe Wanindara. Benangi suka ben Wanindara, les innocents. Benangi bebe yebe sukibe. Benangi bebe sukibe. Benangi bebe yebe sukibe. Suka ben les innocents, mignon. Excusez-moi, s'il vous plaît. Tanouza. On est à Tanouza. Non, pas peinant. Bye, comprends pour l'assi. Non, dis à bord, à boss. Non, à boss. Ma bonne à carrière, il n'a pas travaillé. Donc, excusez-moi. Donc, c'est un peu ça. Si c'était sur l'axe, si c'était axe, hanking, quand nous avons eu le hanking, arrivé Nangoude, Souka Ben, Waninarabe Nangabe, et Hore Tony et Fenande. Ton problème là, mais y'a ben angabe parce que on veut ton woko terroriste ben. Woko terroriste ben woniton. Woko terroriste ben woniton. Terroriste ben y'a ben fellu ben gendarme ben. Ben don angetake. Ben don communiqué à la. Qu'un journaliste ou ben goye yidi go le ministère de la Défense, ils n'ont même pas. Ils n'ont rien à dire. C'est pour dire qu'ils sont en train de faire des investigations pour trouver réellement les coupables. Les coupables ne seront jamais traduits en justice. Et ce qu'Alpha Condé va faire, il va déléguer quelques personnes, quelques membres de son gouvernement pour aller demander au donceau pardon.
Mais les donceaux-là qui ont tiré sur ces gendarmes, s'ils ne croyaient pas à leur puissance dans ce régime dictatorial, vous pensez qu'ils allaient tirer sur les gendarmes comme ça? Tout le temps, il y a ce problème entre les donceaux et les gendarmes. Tout le temps, il y a ce problème entre les donceaux et les gendarmes. Partagez la vidéo au maximum, c'est ça l'essentiel. Partagez la vidéo au maximum, s'il vous plaît. Donc, là-bas, il n'y a pas de problème. Mais si c'était au Fouta, chez les Peuls, je vous jure, on a tous vu ça ici, sur l'axe, au Fouta, même le domicile du Khalif de Fouta à Pita a été gagé, attaqué, les véhicules ont été caillassés par les gendarmes. Par les gendarmes, on a vu tout ça. Et après, nos kuntigi, nos chefs coutumiers ont été gagés à Tanene. Comme là-bas, on dit, Basse Guinée, c'est chez nous, les Soussous. Fouta, c'est les Peuls. Les Peuls ne sont pas avec Alpha Condé. Basse Guinée, la Basse Guinée n'est pas avec Alpha Condé. Maintenant, comme c'est la Haute Guinée qui est c'est un pouvoir d'abord maninkanisé, je vais dire. C'est un pouvoir régionaliste, un régime dictatorial régionaliste d'Alpha Condé. En Haute Guinée, rien de grave. Tout se passe. C'est qu'ils font tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Sinon, vous savez très bien mieux que moi. Si, en âme et conscience, si cet acte se passait réellement en Basse-Guinée, ou surtout au Fouta, vous allez voir, Alpha Condé allait déployer un arsenal militaire, voire même les chars de combat, pour aller bombarder les habitants. On a vu ça en Basse-Guinée, on a vu ça au Fouta. Mais comme c'est chez lui, c'est un pouvoir de Malinké, qui veut l'entendre va l'entendre. Parce que moi, je n'ai pas peur de dire la vérité. Parce que je sais, si je ne dis pas cette vérité, c'est quelqu'un d'autre qui viendra à ma place pour dire. Donc, je suis obligé de le dire. Et c'est comme ça. Ce n'est pas des faits imaginaires comme ça. C'est des faits réels. C'est des faits, je dis bien réels. Mais comme je l'ai dit, le ministre de la Défense, c'est Malinké. Le chef d'état-major des armées, c'est Malinké. Le président du régime dictatorial, le président illégitime, Alpha Condé, un Burkinabé, il s'est dit guinéen, et c'est Malinké. Parce que Condé, c'est Malinké. Qui encore? Le ministre de l'administration du territoire, c'est Malinké. Le ministre des Affaires étrangères, c'est Malinké. Son chef protocole, c'est Malinké. C'est que c'est un régime purement Malinké. Maintenant, les autres, on a deux ministres Peul ou trois ministres Peul, deux ministres Soussou ou quatre ministres Soussou. Tout ça, je dis bien tout ça, c'est pour juste dire, ouais, ceci, c'est là. Mais vous le savez, c'est les Malinké. Tu es ministre aujourd'hui. Si tu es ministre des Transports, on a vu. Aboubacar Sylla, quand il était ministre des Transports, on lui a imposé les perroquets du RPZ Arc-en-Ciel, les Malinké. Il va travailler avec les Malinké. C'est qu'il est supervisé par ces Malinké. Je ne suis pas contre les Malinké. Je dis la vérité. Peut-être un jour, il y a d'autres Malinké qui vont se sentir vexés pour dire, ouais, Morlaï Sylla s'attaque à nous. Non, parce que je sais déjà, à l'UFDG, il y a toutes les communautés. On a les collaborateurs Malinké. Mais même ces Malinké savent que le régime dictatorial d'Alpha Condé est un régime régionaliste, purement ethnique. C'est une armée purement maninkanisée, c'est une armée purement ethnique. Purement ethnique. Je dis bien purement ethnique. Maintenant là, qu'est-ce que nous devons faire réellement, en âme et conscience? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons rester comme ça sans continuer le combat. Parce que dire, ouais, j'ai peur de la prison. Ou bien pour dire, ouais, parce que voilà, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Luttons contre le dictateur Alpha Condé. S'impire à les dictateurs. Qu'on nous atteint. 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 Qu'on nous essentiel. Qu'on nous atteint. Qu'on purement injustice. Injuste. C'est de l'injustice. Na justice hande na justice jango na justice fati jango bayde andi en yilo fureji din yimbe no yade waktingol fureji bambeto do
cimetière bambeto police be yi haka cimetière be gaji be haka der cimetière subhanallah haka der cimetière sigiri non ko ko donso ben woni attaqué 12 gendarmes ba ko donso ben ko maninga be won ton problème là voilà mi fait ya. Revenons sur le deuxième point. Le deuxième point, la libération des otages politiques par le dictateur Alpha Condé. En fait, un fop en yankin, Alpha Condé nangi otage Alpha Condé dictateur nangi otage politique bébé. Les honorables Ousmane Gawal Diallo, honorable Chérif Ba, honorable Selou Balde, maire Abdoulaye Ba. Il les a libérés hier sous condition. C'est parce que il a vu, il n'a aucune preuve. Il n'a aucune preuve. Mais si vous voyez aujourd'hui, nos cadres ont été libérés. Certains de nos cadres ont été libérés. Parce que tous ces détenus politiques, qu'ils soient de l'UFDJ, du FNDC, de l'ANAD, de la société civile, des journalistes, nous les considérons comme nos cadres, comme nos responsables, comme en tout cas nos collaborateurs. C'est ça. Nous les considérons comme nos collaborateurs, qui luttent contre le régime dictatorial d'Alpha Condé. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé. Ils ont été libérés sous condition, après 9 mois de détention, sans aucune preuve. Une arrestation ou des arrestations extrajudiciaires. Ils n'ont pas été jugés. Rien du tout. On les a encore libérés. Comme tellement qu'Alpha Condé a eu honte et son régime, tellement qu'ils ont eu honte, ils ont décidé finalement de les libérer. Ouais, on peut s'applaudir. Mais n'oublions pas qu'il y a Fony Kimange, Oumar Sylla Nageli. On n'a rien mou namade. On n'a rien mou de Etienne Soropo Gifan Nageli. Parce que on birna gir maso na ba fe on kat fene dictateur harakisina. Dictateur harakisina Alpha Condé harakisina on na gir maso na xe on na na ala ko harakisina fe non l'enfant de Timbi Madina attends je vais lui dégager ici tout de suite. C'est ces gens là qui créent des faux comptes en disant, en mettant les noms de famille Peul. Après maintenant pour venir, je le bloque, il dégage ici. Voilà, il est parti. L'enfant de Timbi Madina, je l'ai bloqué, il est parti, c'est bon. Donc, c'est un peu ça. Et on n'a rien à dire, Alpha né sur roulé nankui. Alpha condamné sur roulé nankui. Alpha miribé rinara, dictateur criminel rinara. Donc, on n'a rien à dire, mais il est un velti, kotawata. Honorable Ousmane Gawal Diallo, honorable Chérif Ba, honorable Selou Balde, maire Abdoulaye Ba, be faw be hettike hore mabbe en fop eden weltori dum non ba hari ko en andukadi d'abord manifestation ko sukabe UFDG décide kon wadi proposition et direction parti on di manifestation gi pour la libération de nos détenus ko dum non wadi be accete be do ba be andi UFDG se fuddi ke kadi manifestation on Alpha Condé touba mako yane kisan ko dum non woné ma ko dum non mapini mo ko dum do mapini be decide yo be accitu be tellement que be hersi be mara preuve fu se hore mabbe e kadi sengogo kadi no ton Mamadou Sylla kadi no hella do c'est que ko dum mi alanta on IFDG ko parti mardo pawa mo yanu mardo force molanado IFDG ko parti mardo pawa mardo force molanado Alpha Condé no lutte de contre IFDG ire ngina ka mouvance kasi la patrona kadi mo mara hay deux députés miniranon. On donc a dit nos luttes de contre celles de l'Indialo. D'ailleurs, on interview ma commune, moi, moi, il n'a gouvernement ou là, il ne gole ou là, il go, comme elle libère une offre. Quand on dit jamais on doit affamer. Il a déjà qu'on a condamné on ici. Hier, ce mouvement se nourrit nos luttes de contre ma commune. Si moi, il tibao, il y a parti du opposition mouvement, c'est qu'il n'entend fil de Google parti. On connaît bien Wawata. Bah, ben Andy. IFDG ko parti maundo IFDG ko parti tigitigon mo andanda horema ko lendi fo ne yanganade ko dum don parti on no mari force ko fi dum don parti on no mari force mo lanado donc are toujours ko dum don din tobbe jigo mi innono mi yewteno fi mun ko no ba tangon dum annuno
har lan occupi molana do mi wawano e dum annugo ko fi dum don parfois mi are subitement mi wada direct parce que tigiti on tigino occupi molanado no molanado on tigino occupi molanado on tigino occupi molanado kono bayden andi actualité oblige en wata tertu de golleji din fono ton dum do marchata donc ba en décidé en golle en yangane parti on en décidé en golle en yangane leindi donc are toujours ko en continue combat on na en yilto ba on na en rekilo. Donc en yiande présidentiel lu dalen jallobe welti mo yano Alpha Condé ko la ko be wono ko falno kon ko divise go e la celle lu dalen jallo e cadre be ben donc la weltani kadi sonnajo maire Abdoulaye Ba mi souvenu intervention mabbe hande tigitigom be yewti kono woni détermination on do lutte on woni très très continue fi Allah ta en rekilo continue en combat on donc inshallah jango ka